OK. hello everyone and welcome to. That's okay. <laughs> okay, let's start again. All right, hello everyone. Oh non, c'est en, en français. français. C'est en français. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Odu Live. Je m'appelle Chantalie Weichel et je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Uh, je suis présent pour mon collègue uh, Alex. Bonjour. Qui présente aujourd'hui le webinaire production en Odu. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, il va commencer à faire une démonstration d'une euh, entreprise qui vend des vélos, c'est bien des ça motos. Des motos. Des motos. En fait, l'idée, c'est de donc vraiment montrer la, la production, la planification et cette gestion de production d'une entreprise qui euh, crée des motos. Et donc, à travers euh, donc, cette, euh, cette présentation, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller étape par étape. Jusqu'à la création du produit, expliquer les différentes configurations qu'on peut faire avec le produit, et alors gérer deux types de motos. Une, une moto simple, donc uh, out of stock, où il n'y a pas de customisation sur la moto, et une autre moto où on va uh, partir sur uh, des, uh, des sous-nomenclatures, donc vraiment une production un peu plus complexe. Okay. Okay. Mm -hmm. Parfait. Euh, comme vous le savez, ce webinaire sera suivi par une séance de questions et réponses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live chat qui est situé juste à côté. Euh, je, pour rappel, ce webinaire est plutôt fonctionnel, donc si vous avez des questions techniques, merci de les envoyer au, à notre service support, mais pour les questions fonctionnelles, Alex on pourra okay. toujours essayer de répondre, <laughs> Ok, allez, donc euh, je passe la parole à Alex. Oui, parfait. Go. Si, je, si on pouvait donner, voilà, oui. parfait. Donc en fait, donc, à travers euh, la présentation, donc, on va avoir l'introduction que euh, <laughs> Chedali <Lili> a, <laughs> a dit. Euh, on va partir, donc, partir sur la fabrication de pro production, comment renforcer votre contrôle de qualité, euh, manager les cycles de vie de votre produit, donc euh, avec le PLM. Okay. et alors faire la maintenance de votre de votre équipement et puis comme euh, comme on l'a expliqué une petite question réponse ok donc donc ce qu'on va faire maintenant c'est partir sur la présentation ok Tac. le petit fond, si je le trouve voilà donc pour la présentation vous avez donc on vous avez besoin de quelques modules ok donc pour la donc la fabrication en tant que telle ok pour faire les la contrôle de qualité, on va avoir le petit module de, de qualité, la gestion du cycle de vie de votre produit, donc ça la PLN, et alors partir sur la maintenance. Okay. Pour la fabrication, vous allez d'office avoir une, euh, une dépendance avec le module inventaire et, euh, et alors le module achat euh, par défaut, puisque vous devez pouvoir acheter les produits euh, pour pouvoir fabriquer donc, la moto ici. Okay. Donc, dans le module fabrication, Okay. Ce, qu a, ce que vous avez, c'est que vous avez la possibilité, premièrement, de faire vos rapports. Okay. Donc là, vous allez vraiment avoir vos rapports de fabrication, de travail, mais surtout, vous avez vos données de base. Okay. Dans les données de base, vous allez avoir l'article, okay. la nomenclature, pour finir, qui sont les produits que vous allez devoir utiliser pour donc, fabriquer euh, votre produit final. Okay. les gammes donc les gammes qui sont pour finir les listes d'opérations euh, à travers lesquelles euh, votre euh, vos euh, donc euh, pièces euh, vont passer pour pouvoir fabriquer euh, le produit final et alors les postes de travail okay. donc pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment alors à ce moment là on, on parle vraiment de la chaîne de production donc les différents emplacements que ce soit dans votre dans votre stock euh, ou euh, votre euh, votre euh, votre garage ici euh, pour les motos Okay. donc ce qu'on a fait premièrement c'est qu'ici vous allez avoir donc, tous les produits euh, que, vous avez, que vous avez en stock et que vous allez avoir en stock okay. Dans ces produits ce qu'on a fait c'est qu'on a euh, groupé les produits qu'on va vendre et les pour vous dire les pièces euh, qu'on va utiliser pour la fabrication. Donc, pour ça ce que vous faites tout simplement c'est que vous faites un groupé euh, si je le trouve préférence euh, interne voilà. Euh, et alors vous allez donc, dans les références internes, vous allez... Ouh, Il, il y a eu un petit souci. En gros, l'histoire, c'est que vous allez avoir donc, les motos et vous allez avoir les différentes, par... les différentes articles qu'on va utiliser. Donc en fait, ici, pour vous montrer, donc, vous, dans la référence interne, dans la catégorie, vous avez donc, les pièces détachées qu'on va utiliser. Et inversement, pour la, pour la moto, vous avez donc, qui va être dans la catégorie moto. Donc c'est juste... Pour simplifier la vue et pour savoir qu'est ce qui donc va être pouvoir vendu et quelles sont les, les euh, pièces euh, détachées qui vont être que vous allez pouvoir acheter ou que vous allez pouvoir donc euh, produire ok donc je vais prendre j'ai deux types de motos donc j'ai créé la moto custom et j'ai la moto euh, simple donc l'iron 883 Okay. Sur la moto Sam, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a généré, généré une nomenclature. Okay. Sur cette nomenclature, ce qu'on fait, c'est que j'ai dit donc, à Odoo quels sont les produits que dont j'ai besoin pour pouvoir euh, générer donc, ma moto Iron 83. Okay. Donc, ici, j'ai dit en plus du cadre de moto et des pneus, ce que j'ai dit à Odoo, j'ai dit voilà, je donne la possibilité à la personne de choisir un cylindre de 800 euh, cm3, et un réservoir de 50 centilitres. Donc, de cette manière-là, en fait, je vais de customiser déjà, et automatiquement, en fonction de la moto que le client va pouvoir choisir. Donc, Odoo, par défaut, si je choisis une, une moto de cylindre 800, va aller chercher la variante sans que vous, vous, vous deviez la changer lors de la fabrication. Okay Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais remettre... Retourner sur la moto. Okay, et ce que la manière dont j'ai fait, c'est que j'ai juste dit donner un attribut à la moto. Donc ici, qui sont les réservoirs, par exemple, le 50 litres, le 80 litres et le 100 litres. Ce qui veut dire derrière que quand, quand je vais choisir le, euh, mon produit, donc quand je vais faire ma fabrication, eh ben, il va lui dire choisir la variante, les variantes nécessaires okay. Alors pour euh, la moto. Euh, donc, en costaud. Donc, la moto pour laquelle on a fait des, des variantes, beaucoup plus de variantes. Okay. Ici, on en a 5, 144. Si on va sur mes variantes, on voit que j'ai différents attributs la cylindre, le réservoir, la couleur, la forme et le design du guidon. Okay. Donc, encore une fois, ce qui veut dire que lorsque je vais choisir la moto avec euh, un cylindre de 120 chevaux, euh, avec un, un réservoir de 100 litres, noir mat, rond, et, et avec le, le, le volant Clubman à ce moment là, ben, Odoo va par défaut aller chercher l'information et va aller chercher dans votre stock donc, les, différentes, euh, pièces, euh, les différentes pièces les différentes pièces qu'on a besoin pour finir pour euh, fabriquer la moto ok donc, donc ici dans ma nomenclature ce qu'on voit ici donc vous, avez, vous pouvez voir hein, j'ai mon cadre carré-curveurant avec toutes les différentes possibilités. Okay. Donc, de là, ce qu'on va faire, une fois que les configurations sont faites dans un premier, donc, donc, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est aller générer pour finir une opération. Donc ici, on va la faire manuellement, mais vous pouvez l'opération peut se créer par défaut à travers une, à, à travers une offre confirmée euh, par, euh, par un de vos clients. Okay. Donc ici, si je crée manuellement, je vais prendre d'abord la première euh, moto, donc je vais prendre l'Iron, ah oui 100 chevaux, okay. donc celle-ci, on n'a pas mis de gamme dessus, donc ça veut dire qu'on va juste l'assembler et on va l'envoyer, okay. donc je sauvegarde. En sauvegardant, Odoo me donne tous les articles dont j'ai besoin pour pouvoir créer ma moto. Okay. Et ce que vous verrez, c'est que ici, on voit que le pneu, en fait, le pneu, c'est un assemblage de plaquettes et de la jante. Okay. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que dans la configuration du pneu, j'ai dit que le pneu, c'était un, un produit à fabriquer, mais à fabriquer en kit. Ce qui veut dire que si j'imprime l'ordre de fabrication, donc ici j'ai mon ordre de fabrication. Okay. Vous allez pouvoir voir. En fait ici donc les articles à consommer donc le cadre de moto le cylindre la plaquette la jante le réservoir les, les réservoirs pardon et alors l'article la moto le nombre de quantités, la date de planification et la date euh, d'impression du, euh, du, euh, du bordereau ici okay. donc ensuite une fois que tout est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie la disponibilité des différentes pièces. Okay ici je vais vérifier ma disponibilité et comme j'ai fait déjà mes, mes achats au préalable, je peux voir que Odoo a réservé et me dit par défaut que toutes mes euh, composants sont en stock. Okay et là tout, sim tout simplement, ce qu'on va faire, c'est produire la moto. Ok. Lorsque je produis la moto, j'ai dit que je devais avoir un. J'ai dit à Odoo, voilà, pour toute moto que je produis, j'ai besoin d'un numéro de série. Donc ici, ce que Odoo me fait, donc par défaut, me demande un numéro de produit qui va être mi euh, M 001 okay. Je sauvegarde, j'enregistre la production. Okay. Et là, je vais avoir, une fois que, le, que la production est enregistrée, je vais pouvoir. Odoo va me donner tous mes mouvements de stock. Donc ici, dans mes mouvements de stock, on va voir tout ce qui est sorti de mon stock okay donc mes deux roues mes deux, pardon, mes deux plaquettes de frein mes deux jantes mes réservoirs mon cadre, moto, mon cadre de moto et mon cylindre et par contre ce qui est resté dans le stock c'est ma moto qui est toujours en attente de disponibilité pourquoi parce que je n'ai pas encore donc, marqué comme quoi l'opération était complètement finie okay donc là tout simplement ce que je peux faire c'est donc marquer comme fait et là quand je marque comme fait, en plus d'avoir mon mouvement de stock, ce que je vais avoir c'est mon coût, coût d'analyse, l'analyse pardon, des coûts de euh, ma fabrication. Donc sur chaque matériel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un coût unique par composant. Et ce que Odoo me fait, c'est qu'il fait la calculation. Elle coûté 000, ça la moto m'a coûté 3700 euros alors que je la vends à 10000 euros. Ça va Ok. Donc ça c'est pour la première fabrication, donc une fabrication pour finir simple. Ok. Maintenant, on va partir sur une fabrication un peu plus complexe, donc avec des sous nomenclatures, ok. Donc qui va être ici, donc la moto, euh, la moto custom, ok. Donc j'ai un client qui vient vers moi et qui dit, voilà, j'ai besoin d'une moto custom avec donc en mat, euh, on va faire, une, on va aller chercher une brillante, hein. euh, ou alors une rouge. On va aller chercher la rouge, ok la rouge, okay, avec un cylindre de 800 cm3, avec un, euh, un guidon carré, un réservoir de 50, et euh, avec le design Cubman. Euh, euh, okay. Donc je clique sur la moto, je sauvegarde, et ici, par rapport à la première moto, la grosse différence est qu'on a généré une gamme. Okay. Pourquoi on a généré une gamme Tout simplement, donc si je retourne dans mes gammes, c'est qu'on a dit à Odoo voilà quelles sont les opérations que je, que je, à travers lesquelles je dois passer pour générer, euh, si vous voulez, donc la moto costaud. Ok Donc ici j'ai décidé, j'ai une opération d'assemblage pièce détachées et puis j'ai la, la peinture de, euh, ma, de la moto. Et après, sur le, il y a aussi les postes de travail sur lesquels je suis. Okay. Alors, une des nouvelles fonctionnalités de Odoo par rapport donc, à euh, la fabrication, c'est que maintenant vous allez pouvoir générer des étapes. Okay? Donc, des étapes qui ressemblent très fort donc, à des contrôles de qualité, sauf qu'en fait, par rapport à une fabrication, ce qu'on va pouvoir faire, donc ici j'en ai déjà créé deux, c'est qu'on va pouvoir dire voilà lors de la fabrication du cadre de moto, okay, qui est de costaud, je veux que tu fasses une photo du cadre lorsqu'il est fini. Mais avant celle-ci, je veux surtout que tu fasses donc, un demi, donc faire une inscription visible, donc un demi, c'est-à-dire là où, où on va juste poser des questions, demander à des mettre des informations pour que euh, le, la personne qui travaille et qui assemble le cadre puisse avoir les informations. Donc ça veut dire en fait que tout simplement ici, lors de, euh, ma, lorsque de ma fabrication de mon de, de pardon de, euh, euh, je reprends l'étape pour retrouver le mot du cadre de moto bah, je, vais avoir, je vais obliger en fait mes travailleurs à passer à travers différentes étapes avant de valider euh, mon cadre de moto okay. donc ça veut dire donc ici en plus de ça sur l'assemblage donc j'ai mes feuilles de j'ai mes descriptions que vous allez pouvoir mettre les descriptions euh, etc donc je retourne sur mag je retourne sur mon opération de fabrication donc je retrouve donc, par défaut ma moto et aussi ma sous-nomenclature, sous, euh, sous donc ma sous-bom, qui est le cadre de moto. Okay. Donc si je vais d'abord dans un premier temps vérifier la disponibilité de mes différents composants, okay. je vérifie la disponibilité ici, si, directement Odoo va dire, mais voilà, ici je ne peux pas valider et commencer à planifier. Euh, ma moto parce qu'il me manque encore genre mon cadre de moto customisé donc avec les, euh, les rétroviseurs carrés et euh, le guidon euh, en clubman ok donc ça veut dire qu'en fait Odoo va m'obliger par défaut à d'abord donc fabriquer donc mon cadre de, de moto avant seulement de pouvoir euh, planifier ok donc ici hop je planifie je gère, j'ai mes deux, donc lors de ma planification, j'ai mes ordres de travail qui se créent. Okay donc l'ordre de travail qui est l'assemblage d'abord de mes pièces détachées, puis la peinture de mon cadre. Okay Et lors de l'assemblage, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai dit, c'est les, les contrôles, steps que vous allez devoir faire avant de pouvoir valider cet assemblage. Donc ici, ce que je fais, tout simplement, c'est, je passe sur le processus. Je fais, ici j'ai ma première demande. Donc mon premier step qui est donc l'instruction donc ici l'idée c'est doit être visible sur l'écran, vous mettez votre inscription, vous passez suivant et ici Odoo me demande de faire la photo du cadre fini. OK. Donc je prends la photo et puis je valide et c'est seulement à ce moment-là que Odoo va me permettre de valider avec mes différents steps faits. OK. Vous avez au cas où, si, par exemple, euh, je, donc, je suis travailleur chez euh, pour la marque Harley Davidson, je prends ma pause du midi, tout simplement je, vais, je peux le mettre en attente, comme ça, j'ai le temps, si vous voulez, que Odoo calcule pour la, la construction de mon cadre, et eh ben, n'est pas faussé. Okay. Je reviens de ma, ma pause déjeuner, tout simplement, je continue. Okay. Pour aller plus loin, Odoo, ce qu'Odoo va faire, c'est que si jamais il y a un, un problème, euh, par exemple, la machine est cassée euh, ou, euh, ou la machine est défectueuse, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez faire une demande de maintenance sur la, sur la, sur la machine ou tout simplement bloquer parce que ben, là, cette chaîne de production est complètement euh, euh, en arrêt. Okay. Donc là, je retourne en arrière, je fais comme quoi elle est, elle est faite. J'ai ensuite, donc dans cette, dans cette, euh, pardon, hop, je euh, Dans celle-ci, elle est, donc si je retourne, hein, on voit qu'elle est seulement partiellement disponible. Pourquoi Parce que j'ai encore, je dois encore tout simplement la peindre. OK, là, boum, je fais la, donc les mêmes steps, le processus, je la peins. Okay. Et là, on voit la différence, c'est que sur la le le première opération, on avait des, deux steps à me faire avant de pouvoir faire marquer comme fait. Ou ici, on a pu peindre directement, dire voilà, elle est faite. Okay. Ensuite, je fais comme quoi elle est finie. Okay. Et derrière, je peux recommencer. Et donc, ici, j'ai mon cadre de moto qui est, que j'ai pu réserver pour la fabrication de ma moto. Ça va? Donc, ici... Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement planifier donc, le, euh, donc, la moto, On la fabrication de cette moto. J'ai mes deux ordres de travail qui se génèrent. Et comme pour le cadre, tout simplement, je clique sur le premier ordre de travail. Okay. Je mets processus. Okay. Ici, vous allez avoir le suivi des heures. Quand est-ce que ça a été planifié Donc ça, vous pouvez par défaut le modifier. OK vous pouvez mettre la durée, par exemple, en disant, voilà, ça a duré 30 minutes, par exemple. Donc, la, la durée attendue est 30 minutes. Et à ce moment-là, je sauvegarde et je commence le processus. Okay. Je mets, comme j'ai dit que je voulais un numé numéro de série sur ma moto, je mets MC002. Pardon. MC002. Et je sauvegarde. Okay. Là, encore une fois, je fais comme quoi ma première, ma première opération est faite. Okay. Je retourne sur mon ordre de fabrication et là je vois que j'en ai encore une à faire. Je fais le même, le même principe, je vais dessus, je retourne, je, fais, je, je clique sur processus, je peux ignorer, mais je dis ici, hop, je fais comme quoi elle a été faite aussi. Ok. Donc, ici, par rapport, par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on est à 50% au-dessus de, de la demande de travail. Okay ici, j'ai un peu exagéré, juste pour vous montrer que, donc, si jamais il y a un moment de votre fabrication, vous voyez que vous êtes au-dessus de 100%, donc, ici, donc, 50% en rouge, ça veut dire, ça pourrait dire que, un, il y a eu un problème par, il y a un problème par rapport à un de vos, euh, une de vos machines, ou alors, il y a un souci par rapport, donc, à, à des pièces qui ne sont pas arrivées, etc. Okay. Et là, vous pouvez donc sonner l'alarme d'alerte et aller voir la faire des maintenances sur vos machines. Okay. Donc ensuite, je retourne sur ma fabrication. Je vois qu'ici, elle est disponible, toujours en cours, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore marquée comme faite. Okay. Donc ici, on va voir tout ce qui a été consommé. Je vais avoir mes mouvements de stock. Donc dans mes mouvements de stock, on va voir le cadre, okay. les plaquettes, les jantes, le réservoir, la peinture. Et alors... Comme un, un, donc une entrée de stock de euh, la moto. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à livrer vos motos derrière. Ça va. Donc, ici, par rapport. Donc, vous allez. Donc, pour revenir en arrière, donc vous allez pouvoir voir, en fait, ici, lors de la création, vous avez vraiment toutes ces étapes où Odoo va vraiment vous permettre, si vous voulez, de générer différentes étapes, différentes sous-nomenclatures. Euh, donc, peut-être pour reprendre les articles, je vais vous, pour vous montrer, donc, ici, dans la moto, hop, dans la moto custo. donc, ce que j'ai pu faire, c'est que, dans lorsque j'ai généré ma nomenclature, j'ai mis, comme quoi, j'avais besoin, donc, la cadre, le cadre de moto, okay Le cadre de moto, qui est, pour finir, encore une, une sous-nomenclature, parce que, pour faire mon cadre de moto, comme vous l'avez vu, j'ai dû... Euh, donc générer, aller, euh, donc, faire peindre le cadre de moto et assembler, donc, le guidon et les différents composants euh, pour pouvoir faire mon cadre de moto. Okay. Et tout simplement pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré l'article dans le cadre de mo dans le moto et là, dans mon article du cadre de moto, ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement dit que celui-là, donc, ce, cet article-là aussi, devait aussi avoir une nomenclature. Tout simplement. Okay. Et lors de la nomenclature, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les différents composants. Et bien sûr, où est-ce qu'il doit être consommé. Okay. Alors, ce qui est assez intéressant aussi dans Odoo, c'est que si je retourne sur mes, op mes opérations, c'est vraiment ce coût. Okay. Donc, on a vu la, la différence entre le coût où euh, il y a. Euh, je vais aller rechercher. Euh, où est-ce qu'ils sont je vais, refaire, je vais le refaire. Donc, on a, je, refaire, je vais faire une, refaire une opération. OK. Pour, comme ça, pour vous monter Alors, là, ce qui, va, ce qui est intéressant avec, en fait, la gestion du coût, l'analyse de coût euh, qu'on va avoir lorsqu'on a des opérations, tout simplement, c'est qu'il va prendre aussi le temps, euh, par exemple, que vous allez passer, si vous voulez, sur cette opération. OK. Donc, si je, donc je vais juste regarder ici avant de partir. Donc, si je vais sur ma, mon poste de travail... Donc j'ai mon poste de travail assemblage. J'ai informé en fait un coût à l'heure euh, sur ce poste de travail. Donc qui comprend le coût de mon employé qui travaille sur ce, sur ce poste, mais aussi par exemple les machines euh, et euh, toutes les informations. Enfin, et tous les outillages que vous pourriez avoir sur ce poste de travail. Okay. Donc, ce qui fait donc que lorsque je vais retourner sur ma fabrication, donc, je vérifie, je planifie. Je, vais, je repasse à travers les différentes étapes de processus. Marqué comme fait. Tac. Oups. Euh. Je fais ma deuxième étape de peinture. OK. Je vais pouvoir lancer... Attends, tech Lente de fabrication, tech Je le mets comme fait. Là, je fais ma moto. Je planifie ma moto. Donc, j'ai toutes, toutes les, encore une fois, j'ai tous mes composants. Je planifie. Et alors, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, voilà, maintenant, j'ai ma coso mais en fait, il veut plus, il veut, il veut la peinture blanc, mais il veut un mix de blanc et de rouge. Ok. Donc, tout simplement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déverrouiller. Donc, je. Ouais. Je vais le déprogrammer okay. je, déver... je vais donc déverrouiller et lorsque je déverrouille en fait ma commande j'ai pour dire ben voilà je veux rajouter un élément okay. donc je veux rajouter par exemple la peinture la peinture rouge okay. euh, et pour, donc, pour cette peinture rouge j'ai dû traiter donc deux litres de peinture euh, 2 litres de peinture rouge, par exemple. Okay. Je sauvegarde et je ferme. Et ici, on va pouvoir voir que les 2 litres de peinture qui vont être consommés avec le mouvement sang qui vont, qui vont se créer, créer après. Je bloque par la suite. Donc, je vais pouvoir replanifier. Je travaille sur mes work centers. Okay. Donc, le premier qui a été fait. Oups, tac. Je modifie. Sauvegarde, il est fait. Et derrière, vous allez avoir donc les disponifiés. Oups. Oups. Voilà. Processus, tac. Je marque. Ah, pardon. Hop. Petit message d'erreur parce que j'ai oublié de mettre le numéro de série. Je marque comme fait. Je reprends la fabrication. Je vais sur la deuxième ordre de travail. Je le mets comme fait aussi. Et là, lorsque je vais dire que comme quoi il est fait, ah. J'ai oublié de mettre le lot. Oups. Euh... Et je le marque. Donc, et alors, ici, vous avez donc juste pour montrer un hein, mouvement de stock de la peinture rouge que vous avez rajouté par la suite. Okay. Donc, ça, c'est pour vraiment. Et alors, par la suite, vous allez pouvoir générer donc vos rapports d'ordre de fabrication. Donc, vous, avez tout, donc, vous avez tous les rapports d'ordre de fabrication ici. Okay. Les rapports d'ordre de travail. Donc, on va pouvoir voir donc, les différentes MO qu'on a. OK. Et alors, bien sûr, euh, derrière, vous allez comme je vous ai montré ici, les tables de bord, ce qui est à lancer, ce qui est en cours, et alors passer de l'ordre d'un donc d'un ordre de travail à un autre. Ok. Donc ça, c'est vraiment donc pour le côté fabrication. Maintenant, Odoo va vraiment beaucoup va plus, va plus loin avec, par exemple, planif donc, la planification, donc le MPS, donc le c'est le Master Data Planning, où vous allez pouvoir donc générer pour finir vos euh, stocks et euh, vos besoins en fonction du forecast de produits que vous faites ok donc ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on rajoute les produits qu'on a besoin ok donc par exemple je vais prendre le produit simple donc la moto simple iron donc, qui est celle-ci ok je vais la, je la rajoute okay et en rajoutant le produit Ici, donc vous allez pouvoir générer donc, vos prévisions de demande. Okay. Les requêtes indirectes qui sont en fait toutes qui sont les sous-nomenclatures. Okay. Et alors, donc ici, c'est à recevoir, à provisionner. Donc là, vous pouvez, définir, vous pouvez définir un minimum et un maximum, mais surtout ici, ce qui est intéressant, c'est un inventaire proj euh, projeté. Donc C'est-à-dire que je veux toujours avoir ici donc, deux motos ou une moto en stock si jamais euh, j'ai un client qui veut sa moto. Okay. Donc ça veut dire qu'ici, je peux en mettre par exemple 10. Okay. Donc quand je sauvegarde, ça veut dire qu'il va, va m'en faire 10 et il va m'en garder une. Donc par défaut, je dois être approvisionné ou je dois produire donc 11 motos pour le mois de mai. Okay. Dans mes configurations, donc ici je suis en mensuel. Maintenant, vous pouvez dire que vous pouvez, choisir, vous pouvez par défaut, choisir que ce soit en hebdomadaire ou alors que ce soit de manière quotidienne. Okay. Quotidienne, par exemple. Par exemple, si euh, ici vous avez beaucoup trop d'informations, si vous ne voulez avoir, vous devez pas avoir l'information des sous, des sous, euh, sous nomenclature, ben, tout ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous allez, vous dites voilà, Je ne veux pas avoir euh, l'inventaire de départ à fabriquer, les prévoir à l'inventaire, etc. Okay. Donc, alors, à ce moment-là, ben, les lignes et le tableau se s'update par défaut. Okay. Et alors, tout ce que vous devez faire, donc ici, donc, par exemple, pour euh, mai, j'en ai 11 à faire, je dois juste lancer les green cells, donc les, euh, les, euh, les cases vertes. Et quand je lance les cases vertes, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un ordre de fabrication normalement de 11 euh, motos. Okay. Euh, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Non, il n'y a pas encore des questions. Donc, okay. euh, je pense que si tu veux, tu peux continuer. Ok, ça va, parfait, top. <laughs> c'est que ça doit être clair. Ah, <laughs> euh, bah oui. <laughs> donc, donc euh, ensuite, donc, donc ça, c'est pour le master planning. Maintenant, un, donc une autre fonctionnalité du master planning qui est intéressante, c'est qu'ici, donc, si je reprends, je vais reprendre donc, toutes mes rangées. Okay. Ici, on a la moto. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le produit euh, qui est la moto complexe. Okay. Donc, euh, je vais prendre euh, la moto costo, pardon. La moto custom. Euh, qui est Custom Moto Noir Matte. Okay. Je la produis. Et en fait, en plus de ce produit-là, ce que je vais dire, c'est que je vais aller rajouter le produit qui est la sous-nomenclature. Okay. donc qui est pour finir la requête indirecte aux besoins de la la, la moto, des, qui est en fait la moto custom. Ok, donc là je vais aller chercher le cadre, euh, je vais prendre par exemple le cadre ici. et je vais aller mettre l'autre cadre, comme ça on est sûr de tous les avoir. Ok. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, ce que, que Odoo va faire, c'est que quand je vais, donc ici, rond clubman, donc ici, ah ben j'ai le seul que j'ai pas, tiens, hop, je vais aller rechercher le rond clubman, tac. Donc quand je vais forecaster, en fait, 11 par exemple, ou 10 motos, euh, 10 motos ici, donc, euh, custom quand je vais appliquer normalement cette moto, ce que normalement Odoo doit me faire, c'est que il va aller chercher. Donc, ici, on voit 10 cadres pour la, pro la prochaine production. Ok, donc ici, si moi bon, je, je vais changer, si je vais aussi mettre 10, ok. Et donc, donc, par défaut, il va aller chercher, donc ici, on voit hein, les 10, le cadre 10, rond, carburant rond, qu'il va devoir, pour finir, produire pour les, la production, donc, des 10, euh, des 10, euh, des 10 motos. Okay donc, même principe, si je mets 10, si j'en mets 30 ici, ben, il va dire, voilà, je dois en produire 30. Okay, pour le mois de juin. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que si sur. Donc, je vais retourner sur mon, mes, ma base de, mes données de base. Si sur mon article, si je vais chercher mon cadre, cadre de moto costaud, okay, dans l'inventaire, en fait, ici, je vais pouvoir générer les délais de livraison, de fabrication. Okay. Donc, ça veut dire que si je mets euh, 60 jours de délai de livraison, quand je vais faire ma planification, eh ben, par défaut, si je mets. Euh, si je dois si je mets un forecast à en octobre de 10 eh ben, il va commencer la fabrication de euh, ma de mon cadre. Donc normalement, il va le commencer donc 60 jours par là, avant. 60 jours oui, avant la procédure de production ici. Donc si j'applique ici, on voit que j'en ai 10 à faire. OK Donc même principe Là, là, vous lancez les, les, euh, les cases vertes et Odoo va aller par défaut les prendre pardon, en opération. Donc, ça, c'est pour le planning. Donc, ça va vraiment vous aider pour finir à, à gérer euh, vos, vos demandes et, à, avoir, et à, à gérer vos fabrications en fonction des délais que vous avez par rapport à la fabrication ici d'une moto. Mais ça peut être d'autres choses. Ici, on parle de moto. Donc, euh, par exemple, Mais on pourrait euh, parler, euh, par exemple, euh, si vous êtes un traiteur. De recettes où, où, et vous devez avoir du stock, donc vous devez acheter vos stocks deux mois à l'avance pour, pour faire vos recettes congelées, par exemple. Ben, en fait, par défaut, le, 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 donc le MPS va vous permettre en fait, de faire vos achats, mais aussi de produire pour avoir assez de stock par rapport aux provisions que vous allez générer manuellement. Okay. Donc, ça, c'est vraiment pour le planning ok donc ensuite donc par rapport au planning ce que vous avez c'est que dans non, pardon, par rapport à la fabrication maintenant c'est que vous avez donc dans les postes de travail d'assemblage ok ce que j'ai fait donc avant durant la conversation de la, la configuration c'est que j'ai lié donc en fait des machines si vous voulez euh, à chaque poste ok donc ici pour l'assemblage je vois que j'ai machine x ok et pour ma peinture j'ai un équipement donc qui est le pistolet à peinture. Okay. Donc, ici, on va voir que, ici, déjà, pour le pistolet à peinture, on a déjà eu une maintenance sur, le, sur les pistolets qui a, été, donc, qui a été fait, mais qui n'est pas encore finie. Okay. Mais en fait, ces informations sont, sont vraiment importantes et intéressantes ici parce que ça va vous permettre de faire une maintenance de vos machines comme votre maintenance de votre outillage. Okay. Donc, ici, on voit que j'en ai déjà une à faire qui est le pistolet qui est en cours. Okay. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire voilà, euh, elle a été faite. Donc, je la modifie. J'ai machine d'assemblage, la machine X pour la machine X. Okay. La date, ici, je peux générer la date de quand est-ce que la maintenance doit être faite. Ça peut être correctif, mais ça peut être aussi pré pré préventif. Okay. Et alors, là si c'est lié à un ordre de fabrication. Donc par exemple, comme je vous avais montré, hein, lors de la fabrication aussi, euh, votre employé ou votre travailleur dit que vous sur, voilà, il faut une maintenance parce que euh, la machine ne fonctionne plus. Ben, il va cliquer sur maintenance et il va dire que c'est lié à l'ordre de fabrication. Par exemple, MM03 sur l'ordre euh, de, de... Bon, ici, sais pas de bonne, mais je vois si je me donne sur l'ordre de travail X, par exemple. Ok, Mais ça, donc ça par défaut vous le faites directement de l'ordre de fabrication, ça va. Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez et alors vous donc vous pouvez commencer à travailler dessus. Ok, une fois qu'elle est faite, tout simplement, vous la glissez et vous dites comme quoi elle a été réparée. Ça va. Donc vous pouvez aussi les mettre en rebut si nécessaire. Et vous avez toujours cette petite euh, ce, ce petit outil qui vous permet de dire voilà elle est prête euh, pour euh, pour être préparée ou pour être remis en place, par exemple. Ça va Donc, ensuite, là, vous allez avoir tous vos tableaux de bord. Vous avez tout ce qui est planifié, les pr les priorités, tout ce qui a été bloqué et non programmé. Et là, bien sûr, vous avez les postes de, tra les postes de travail en fonction des équipements. Machine et outillage, c'est vous différentes machines. Donc, ici, je peux vous juste en écrire une deuxième. Donc, machine Y. OK. Donc... Je peux créer une nouvelle catégorie qui va être machine avec un responsable. Par exemple, si y a un alias, si vous voulez en avoir, vous, vous envoyer des emails en interne par rapport à des, des problèmes de machine, l'équipement de maintenance, c'est une maintenance interne. Okay. Et alors, les propriétés, propriétaire de la machine, par exemple, c'est où, ici Alexandre, ou alors vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Okay. Juste mettre le poste de travail pour savoir où est située la machine. Okay. Et puis vous sauvegardez. Ensuite, par défaut, ce que vous allez voir, donc par exemple, ici sur la machine, on voit que j'en ai eu déjà une maintenance. Et même chose pour le, et alors pour le pistolet, on peut voir aussi que lorsque je vais avoir, je vais avoir une maintenance. Et alors ici, les de, je peux avoir le poste de travail sur le coût okay, de la, des machines que je vais utiliser aussi. Ça va. Donc, même principe, rapport avec vos demandes de maintenance. Okay, vous, pouvez, vous pouvez choisir vos graphiques. Bon, ici, j'ai 100% de maintenance qui ont été faites. Mais si j'ai encore des maintenances qui sont pas faite ou pas en cours encore, vous pouvez mesurer avec l'index de couleur ou les durées. Ça va Donc, par la suite, donc ça c'est pour la maintenance. Okay. Maintenant, disons, on passe au, Maintenant, Vous créez une nouvelle chaîne, okay. une nouvelle moto et cette nouvelle moto, vous devez vous d'ici devez absolument avoir euh, au début vraiment une qualité de contrôle vraiment euh, dure et serrée sur les nouvelles pièces qui rentrent ou sur les nouvelles euh, motos qui sortent. Okay. Tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans le module qualité, et dans ce module qualité, ce que vous allez pouvoir, c'est créer, pour finir, des points de contrôle. Okay. Ça ressemble très fort donc aux différents steps que vous pouvez mettre, si vous voulez, dans le euh, dans une, dans, dans une fabrication. Okay. Maintenant, ici, la seule chose, c'est que l'utilisation va être complètement, complètement différente dans le sens où ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, voilà, un qualité, une qualité, donc qualité de contrôle, pardon. De contrôle sur euh, un article bien spécifique, donc par exemple mon cadre de moto, okay. et pour, euh, donc, pour, la, pour la fabrication. Je ne suis pas obligé de mettre d'étapes. Okay. Ici, je veux qu'il y ait un pass and fail. Et en plus de ça, je vais en créer un, une deuxième qualité de contrôle parce que je veux aussi avoir des mesures. Okay. Donc, ça, je vais faire qualité de contrôle 2. Sur, on va chercher le même produit, l'op de fabrication et la mesure. Okay. Sur les mesures, vous pouvez décider, bien sûr, voilà, si la tolérance, un type de tolérance, la, la norme que vous voulez mettre, okay, par exemple, il, il doit faire euh, 100 cm de long, par exemple. Okay. Et vous sauvegardez. Okay. Et là, ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est générer, donc sur votre tableau de bord, c'est créer des alertes et créer des qualités de contrôle. Okay. Donc, Ensuite, et sur les modules de fabrication, lorsque je vais générer donc, un ordre de fabrication donc, sur ma moto iron. E donc si c'était bien configuré, donc, je vais juste vérifier la disponibilité. Quand je vais produire, je vais chercher. Non, je vais changer de produit pour que ce soit plus simple. Tac Hop. Pardon, je vais juste changer le produit, comme ça je peux la voir Je vais prendre euh, la 800, comme ça ici, sauvegarder lors de la fabrication. Et je vais aller chercher l'autre. Je vais aller chercher la 800, en hein, sauvegarder. Donc, tac, fabrication. Je retourne dans mes fabrications, je crée. Je reprends le produit 800. Je sauvegarde. Je vérifie encore ma disponibilité une dernière fois. Je produis. Je vais chercher. Je crée un nouveau produit. Et normalement, il va me demander mon contrôle de qualité. Okay. Donc ici, par défaut, Odoo va me, pro me demander un contrôle de qualité avant que je puisse de dire que mon produit est fini. Donc, je vais sur mon contrôle de qualité, je dis comme quoi il est réussi, okay. et j'ai la deuxième demande qui me dit combien de centimètres. Et ici on est, à, donc, à, on est au 100 comme demandé par exemple. Okay. Elle est validée, j'ai mon contrôle de qualité, je peux faire et je peux maintenant dire que ma moto a été faite. Okay. Alors aussi, donc ça c'est pour vos contrôles de qualité. Les contrôles de qualité, vous pouvez les faire donc ici à la sortie d'un produit. On peut vraiment, pas seulement sur la fabrication d'Andou. Okay, donc le contrôle de qualité, point de contrôle, vous allez pouvoir vraiment les mettre en place que ce soit sur un article que vous recevez, un article en livret, que vous livrez, un article qui est pas nécessairement placé, qui ne doit pas nécessairement passer par de la fabrication. La preuve ici, Andou vous propose donc les différentes sur quelle opération vous voulez mettre le contrôle de qualité. Okay. Donc, et même donc lors d'une présentation euh, donc de, de l'inventaire et de l'achat, la, vous allez pouvoir même peut-être, s'ils le font, euh, générer donc, des différentes routes et donc créer vos propres, euh, opér vos propres opér opérations et mettre un contrôle de qualité sur ces opérations. Okay. Donc, même, 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 donc même suivi. Donc, si je vais sur mon contrôle de qualité de ma moto, j'ai un contrôle qui a de qualité qui a été fait. Je peux voir comme quoi il a été réussi. Maintenant, je peux faire mes rapports de contrôle de qualité. Donc, réussi à faire. Et alors là, vous, comme même principe, vous avez les différentes mesures que vous pouvez utiliser. Okay. Alors, une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a euh, ici un petit module qui va vous permettre vont permettre de euh, calculer le coût par rapport en fait à la nomenclature et à la production de votre de votre moto ok donc ici je l'ai déjà euh, installé maintenant juste pour vous montrer où il est vous tapez produit ok vous enlevez application ok et là en fait vous avez donc le produit vente donc qui est euh, c'est donc, gestion de la maintenance. Okay, je pense. Donc, ici, euh, je vais retourner donc maintenant sur mes, mes articles. Okay. Sur l'article, j'ai donc ma costo, Je vais prendre ma moto Iron. Okay. Je vais aller dans mes deux variantes et je vais prendre celle de 800, pour laquelle on a fait, en fait, pour finir, on a fait plusieurs euh, fabrications. Et en fait, j'ai demandé à Odoo de générer un coût. Par rapport donc, à ma nomenclature et à la fabrication de ma moto. Donc, ici, donc, comme on avait vu, on a à 3700 euros en fonction donc, de tous les produits et tous les achats qu'on a dû faire pour générer euh, ce, cette moto. Donc, ici, j'applique et j'ai le coût qui se compute euh, automatiquement. Okay. Maintenant, même principe pour la moto costaud. Alors, je vais juste. Donc, ici, normalement, je pense que c'est celle-ci. Ici, voilà, j'applique le produit, donc il y a 4301,93, ok J'applique ici, et alors, bon, ici, bon, il est au coût à 1, mais le coup, vous pouvez calculer vos marges derrière par la suite. Ça va euh, Ensuite, par rapport, encore une chose, donc si je fais mes postes de travail, vous avez, encore une fois, vos performances, ok Les charges du produ de production, donc ça, c'est le temps que vous avez véhiculé, et alors ici le TRS, ça va. Donc ça, ça c'était vraiment. Donc ça veut dire que pour chaque produit, chaque moment où vous allez générer un produit, donc par exemple si vous changez votre nomenclature ou vous avez dû rajouter de la peinture rouge comme je l'ai fait, eh ben vous avez pour... donc votre coût par défaut va changer et donc vous ne pouvez plus calculer manuellement. Vous allez tout simplement sur votre produit, sur le produit que vous avez vendu. Donc pour finir, euh, là avec toutes les variantes que vous avez choisies. Et là, euh, Odoo par défaut va calculer euh, le coût avec le temps passé et avec le matériel acheté. Ça va Ensuite, encore une. Oui. oui. Alors euh, peut-être avant de passer donc à, au PLM, le, donc la gestion du cycle du produit de vente, il y a peut-être des questions. Oui, justement. En fait, on a quelques questions déjà. Peut-être tu peux les lire et euh, on va essayer de les répondre. Je il y a une pr première question de Barack Hussein qui veut savoir est-ce que l'on peut comptabiliser les coûts liés au maintenance la maintenance d'une machine alors là euh, on ne donc on pourra pas les comptabiliser dans euh, le coût donc, du produit donc avec les compute de maintenant ce qu'on pourrait faire c'est euh, donc euh, par la suite c'est peut-être utiliser un compte analytique euh, pour une production et alors euh, mettre le coût de cette maintenance de cette maintenance de ce produit dedans Ok. Euh, maintenant, je, je, je peux toujours revenir vers vous. Je peux regarder, et, et regarder okay. quelles sont les autres solutions par rapport à ça. Ça va Ok. Passons à la suite. On a une question de, de C.I.D. 32 qui veut savoir qui de la production avec une référence d'article, euh, mais deux références internes de production. Les deux du... révisions internes ne correspondent pas, par exemple, à une ancienne des nouvelles générations après. Mmh, un un euh, alors là, je n'ai pas tout à fait compris la question. Que je pense qu'il y a une explication. Je y filer un outil ouais. de mesure de qualité directement avec l'ADB. Ça, il faudrait que je revienne vers vous. Alors, on, on note la question et on reviendra vers vous parce que je ne vois pas ici maintenant comment on vous répondre. Ça va? <laughs> Ok, de toute sur... façon, si vous voulez. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Vous pouvez toujours m'envoyer euh, un email donc, euh, à mm -hmm. ou alors Sur notre site aussi, comme ça. Ouais. Ou alors, euh, faire ouais. un essai sur Odou ou nous appeler directement et euh, on répondra à vos, euh, euh, à vos questions. C'est ça? Ok, il y a une dernière question. Oh. Je pense que c'est la même question. Oui, c'est la même question. Ok, bon. Donc maintenant pour la gestion euh, des cycles, c'est par exemple vous avez une, une moto que vous arrêtez par exemple euh, de produire ou tout simplement vous changez le cylindre de la moto. Okay. Donc au lieu de recréer une bombe ou donc une nomenclature, ce que vous allez pouvoir faire c'est juste aller sur la gestion du cycle, la gestion de cycle, générer donc une modification technique. Ok et là vous allez tout simplement pouvoir créer donc donc ce changement ok donc ici donc changement changement donc de à euh, cylindre, euh, cylindre 800 pour cylindre 1200. 300 par exemple. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, c'est la nomenclature qui change. Okay. Maintenant, vous pouvez travailler ça aussi, changer une gamme ou changer les deux. Okay. Là, je vais choisir euh, la, dire, la moto. Okay. Donc j'ai la nomenclature de moto à okay. vais. Et alors là, je vais dire voilà, celle-ci rentre en vigueur le plus tôt possible. Okay. Ce que je fais à ce moment-là, c'est juste que j'entame je, la nouvelle révision. Okay. Et là, j'ai la nomenclature qui va se retrouver ici, sur laquelle je dois faire une révision. Okay. Donc ce que je fais ici, c'est que je la mets en cours. Donc en tant qu'employé chez vous, donc de la société, je prends le ticket, je prends la demande, et je vais changer ma nomenclature ici. Okay. Ici, lorsque je vais changer, je vais juste la modifier, tout simplement. Je vais, par exemple, changer, enlever donc, le réservoir. Donc de coup, et alors changer le cylindre 800. Okay. Et aller créer donc un nouveau cylindre. Donc créer un nouveau cylindre. Euh, cylindre 1300. Ou alors mettre le cylindre 1200. Comme ça, on utilise déjà un produit qui existe. OK. Donc, et alors je vais le 1900 qui n'existe plus non plus. Okay. Je sauvegarde. Et ici. Une fois que ceci est sauvegardé et modifié, vous avez... donc, je retourne sur ma demande de révision et je vais voir ici mes modifications de la Donc On va pouvoir ici voir que j'ai enlevé la quantité donc, des différents cylindres, des deux cylindres et du réservoir et j'ai rajouté le cylindre donc, à 1200 chevaux. Okay. Donc, ici, si jamais besoin est, vous pouvez toujours euh, envoyer, donc, mettre une pièce jointe. Okay. Et par ensuite, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous faites comme quoi elle a été, donc je vais sur mon autre, validée. Okay et là, une fois qu'elle est dans le module dont on le a validé, je peux appliquer les modifications. Okay Lorsque les applications sont appliquées, maintenant, si je retourne dans mon module fabrication, ou même dans mon ma nomenclature, tout simplement, si je vais dans Moto Iron, je peux voir que le cylindre et l'album a été tout simplement euh, changé. Donc, voilà, euh, je ne sais pas où on en est avec les. Euh, en fait, on a des questions aussi par Facebook parce qu'on stream aussi sur Facebook Live, donc mm -hmm. on peut peut-être les voir. Il um, y a une première question de Patrick Musbeck qui veut savoir si on peut faire un article composé d'autres articles. Oui, donc ça, c'est un peu ce que... Donc, je vais en créer un nouveau. Peut-être ce sera peut-être plus oui. clair. Ouais, pour donc, voir. Si je prends un nouvel article, donc, euh, j'ai euh, mon précédent a fait les frites. Okay. <laughs> donc, on va reprendre le même. Donc, si je crée... Donc, on va prendre... donc Pour créer une frite. Une frite. OK. <laughs> oui. OK. Oh, on va mettre des frites. Hein. Non, une frite. OK. <laughs> donc, j'ai besoin d'autres articles. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est juste... Donc, dans la mode ici, je vais dire que c'est un produit donc, qui est qui doit être produit, donc qui n'est pas acheté, ok Donc, ensuite, je vais juste mettre un approvisionnement à la commande. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, je vais générer un autre produit, ok Ce produit qui est la pomme de terre, ok Ok. Et ce produit, je l'achète, et je mets juste une petite règle d'approvisionnement pour dire que, ben, euh, voilà, je tout, dans mon stock, je dois toujours en avoir 10, minimum 10 et maximum 20, ok donc je sauvegarde ici, je retourne sur ma pomme de terre et, et ensuite je vais créer, moi je vais juste mettre un, un fournisseur juste pour être sûr, pour aller plus loin. Oups. Je, teste, je sauvegarde et je vais rajouter un deuxième produit qui est par exemple euh, oui. 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 l'huile, ou oh non, la friteuse. Ah, oh, la friteuse, oui, bien sûr. <laughs> ok. Donc là, encore une fois, bon, c'est juste un exemple. Hein. Okay. Inventaire, on ne produit pas, on l'achète. Et je mets une règle d'approvisionnement. Comme quoi, mets un. Mets un. Je sauvegarde. Okay. Et donc, maintenant, avec tous ces articles-là que j'ai générés, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma frite. Et en fait, tout simplement, lorsque je vais générer ma nomenclature, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les différents articles qui Sont donc dans ma base article qui pour pouvoir générer et pour pouvoir produire cette frite. donc ici ce que je vais faire, c'est tout simplement aller chercher ma pomme de terre. Je vais dire qu'il m'en faut 20, ok. Et ma friteuse, il en faut une, ok. Donc, donc par défaut, Odoo va chercher les produits donc euh, de, de 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 votre euh, de votre base produit en fait si vous voulez okay. et là par la suite vous pouvez générer des nouvelles donc une gamme ok donc vous pouvez la créer directement d'ici pas nécessairement aller dans base de données où je crée une, une gamme ici donc qui est euh, frites fabrication Okay. Et alors, ici, je, mets une je peux juste mettre une opération qui okay. est euh, friture pour le poste de travail, friture, okay. avec un coût horaire à 10 euros. Okay. Donc, ce qui est, est peut-être aussi intéressant que je n'ai peut-être pas dit au départ, c'est que ici, vous pouvez, donc pour certains produits, il, il y a toujours un temps. De euh, préparation et un, un temps après euh, fabrication pour nettoyer donc par exemple je peux prendre une cuisine donc il y a une, si vous faites vous commencez à gêner, faire des recettes euh, en masse okay. ben, vous avez d'abord un délai de préparation qui vous va être préparer vos, vos outillages et préparer la cuisine pour faire euh, pour faire euh, votre votre euh, votre pas et par la suite ben il y a tout le côté euh, nettoyage que vous allez pouvoir mettre en place et Odoo va prendre ça en considération lorsqu'il va générer euh, le coût si vous voulez euh, de euh, du euh, de euh, le coût du produit ça va OK euh, passons à la suite on a aussi une question par Facebook de Laurent Aubin qui va savoir si on peut comptabiliser dans le coût du produit en prenant en compte la sous-traitance dans la fabrication. peut -on comptabiliser dans le coût du produit en prenant en compte la sous-traitance? Donc, est-ce qu'on peut compter le coût de sous-traitance dans la fabrication? Non, non, alors, ce qu'on pourrait le faire, donc en fait, ce, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est donc, gérer, créer une nomenclature okay, et créer on un. Je vais vous montrer comment faire. Oui. Oui. Okay. Donc, euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est que par exemple, dans, je vais reprendre la moto, et sur la moto, on va dire par exemple que euh, je vais changer juste l'article de pneu, et que le pneu, c'est euh, c'est un produit qu'on va euh, faire sous-traiter. Okay. Donc, je vais juste dans ma nomenclature dire, plus... je vais pas dire que c'est un kit, je vais dire que c'est à fabriquer. Okay. Euh, et en fait, tout simplement, lors dans ma base de données, donc lors de dans ma gamme. Donc, je vais prendre ma gamme euh, moto iron ici, et Stack. Donc, je vais générer donc, un nouveau poste de travail qui, qui pourrait être sous-traitant pour finir. Ok. Donc, je vais ajouter à ah, tentative de reconnexion. Ah, pardon. Ah, je suis en ligne. Donc ici, je vais juste mettre ici, par exemple, sous-traitant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour le poste de travail, on va créer, un sous -trait, on va créer le sous-traitant ici. Et alors, on pourrait, et alors on pourrait calculer le... Et alors vous, par défaut, vous mettez le temps. OK Et donc lors, le, le temps, vous mettez votre coût et vous mettez votre coût. Vous dites, voilà, votre sous-traitant, il vous coûte 100 euros de l'heure. Et en fait, lors de la fabrication, quand vous avez les, le, le, le vous avez le par exemple le pneu? Ben, votre sous-traitant va dire Voilà, j'ai travaillé autant d'heures où ça m'a coûté autant, et vous pouvez donc mettre par défaut ici lors de la fabrique, lors de la fabrication, ben ça a pris autant de temps et au va le prendre en considération. Parfait, oui, merci. Euh, je pense, on a une dernière question sur YouTube qui est de shop à Bibi. Oui, euh, peut-être que peut le lire si tu veux. Donc, est-il prédit de produire, de produire une quantité par exemple 4 kg et ensuite rentrer le nombre d'articles produits. Parfois avec 4 kg je produis 700 baumes, mmh. mais d'autres fois on reviendra à 75. Euh, en fait ce que vous, alors ici c'est plus la c'est plus vraiment la fabrication, c'est plus de l'unité de mesure. Ok donc avec Odoo vous allez pouvoir générer euh, ce qu'on appelle créer générer des unités de mesure. Ok et en fait les unités de mesure c'est dire voilà j'utilise 4 kg euh, de X Info, donc parler donc de X de crème par exemple et ces 4 kg de crème lors de la fabrication donc le produit fini ça va me générer euh, 70 boîtes ou 70 baumes euh, de crème derrière ok donc ça c'est là en fait c'est ici c'est vraiment donc, dans mes configurations vous mettez euh, unité unités de... vous cherchez les unités de mesure donc unité de mesure je sauvegarde Mais ici, par défaut, je vais devoir en créer. Donc, euh, je, je pense que ce sera revu dans un autre, un, un autre webinaire. Mais c'est vraiment avec les unités de mesure que vous allez pouvoir générer. Maintenant, avec plaisir, on peut, euh, on peut vous faire une présentation du besoin euh, et vous montrer que ce qu'on produit peut. Euh, donc, le produit utilisé peut avoir une différente une unité de mesure que le produit sorti. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est juste rajouter, si vous voulez, une, euh, encore une fois, donc, une opération qui, en fait, l'opération peut-être assemblage. Et lors de cette opération assemblage, on va, on va avoir 4 kilos et ces 4 kilos vont générer 70 euh, booms, par exemple. OK donc, alors, donc, ici, même question, j'ai rentré dans la nomenclature la recette idéale, mais puis-je, au moment où je fabrique, rentrer la recette effective Donc, alors, dans Andou comme j'avais montré, vous allez pouvoir modifier euh, votre, ordre, votre ordre de fabrication. Donc, je vais juste reprendre ici l'ordre de fabrication. Donc, ici, je vais prendre la moto, Iron. OK. Alors, la seule chose dans Andou c'est que lorsque vous avez. Donc, euh, je vais vérifier la disponibilité. Je vais la déverrouiller ici, tac, en la modifiant. Donc, ici, Odoo va vous permettre de changer euh, votre nomenclature. Donc, mais c'est-à-dire qu'il va vous dire voilà, si vous dites qu'aujourd'hui, euh, j'ai besoin, par exemple, de quatre pneus, okay, au mieux de deux pneus, euh, ben, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement changer. Mais ce que la différence que dans Odoo c'est qu'il ne va pas changer ce qui a consommé, mais il va changer ce qui a été consommé. Donc, ça veut dire que si maintenant je mets quatre pneus ici, ben il va aller chercher 4 pneus, mais il va pas changer ce qui a consommé. Donc, ce sera la nomenclature change pas, mais ce que vous avez consommé va changer. Maintenant, une chose à savoir, qui, une chose à savoir par rapport à ça, c'est que vous ne pouvez pas descendre. Donc, vous pouvez vous, vous pas pouvoir enlever, par exemple, le pneu. Ok. Donc, si vous avez une recette, donc ici euh, vous avez votre recette. Euh, non, pas, votre recette euh, euh, donc c'est ici idéal et là donc vous avez votre recette idéale et soyez sûr d'avoir que ce soit moins que la recette effectif, ok, parce que si votre recette idéale dit que vous avez besoin de 50 grammes de beurre alors que l'effectif dit 40 grammes de beurre, à ce moment là vous n'allez pas pouvoir le faire, ok à ce moment là ce que vous allez devoir faire c'est vous allez devoir utiliser euh, le P, donc le cycle de vie et échanger votre nomenclature directement d'ici, okay. et mais ça veut dire que la nomenclature change, vous, vous perdez la recette, euh, la recette et idéale, et euh, et euh, ça devient la recette effective et la recette et à ce moment-là, mais on pourrait travailler que la recette idéale devient la, vous changez la recette idéale pour la recette effective et puis la recette effective devient la recette idéale. Et puis la prochaine fois que vous faites une nouvelle recette, bah, vous rechangez le PLM. Ça dépend de combien de fois vous allez devoir changer la recette. Si c'est tous les jours, à ce moment-là, je vous conseille de travailler, comme je vous l'ai montré ici, avec là, avec, euh, sur la nomenclature en déverrouillant votre nomenclature et en rajoutant des produits. Maintenant, si vous changez vos recettes une fois par mois, alors utilisez le, le cycle ce sera beaucoup plus simple et peut-être plus propre aussi. Ça va alors, peut-être pour reprendre la question, comment gérer la nomenclature supportant deux fournisseurs différents pour une même pièce Alors, par défaut, donc par rapport à ça, donc le fournisseur, Odoo, va toujours aller chercher, donc sur, si je prends donc, un article, donc je vais prendre euh, un guidon, mon guidon, donc vous allez, pouvoir générer, vous allez pouvoir travailler avec plusieurs fournisseurs, mais par défaut, lorsqu'il y a un achat euh, qui est fait ou lorsqu'il y a un besoin d'une pièce ou euh, que ce soit un sous-traitant, il va toujours prendre le fournisseur, le premier sous-traitant sous que vous avez mis euh, sur la configuration du produit. Okay. Donc, ça veut dire, par exemple, ici, j'ai un fournisseur. Donc, donc par exemple, j'ai plus de stock en pièces. Il va prendre le, le test. OK Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lorsque vous êtes sur votre module achat, donc si, si je, okay, je vais pouvoir créer un nouveau fournisseur, donc test 2, par exemple. OK Donc, disons que j'ai fait, un ach... fait, un... fait une fabrication, j'ai plus de stock du guidon. Automatiquement, Odoo va générer un achat. Okay. Donc, ici, c'est un achat autre, okay. mais il va générer un achat. Et là, ce que je vais faire, c'est que donc je vais pouvoir choisir donc, quel fournisseur euh, des deux euh, je dois utiliser. Mais par défaut, donc, comme je disais ici, il va toujours prendre le premier fournisseur. Donc, euh de l'article que vous avez mis euh, sur l'article ça va ensuite euh, peut-on je justement... pense c'est tout ce qu'on a en fait on a plus de questions ok bah parfait euh, bon ok juste passer l'écran voilà alors euh, donc euh, je pense on va peut-être prendre ah non on n'a plus de temps on est y... on a fini on okay. est à limite d'une heure. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours contacter, contacter Alex par ouais. email. mail euh, Je mets son email euh, sur YouTube, le chat, mais sinon, c'est afe.udoo.com. Euh, autrement, si vous avez aimé ce webinar, c'est vrai que c'était bien compréhensif et long. Merci <laughs> beaucoup pour tes, pour tes explications. Merci. <laughs> J'espère que c'était euh, compréhensif et euh... C'est vrai qu'avec une application comme euh, Manufacturing... C'est toujours pas un peu compliqué. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> uh, bref, donc si vous aimez cette vidéo ou le webinaire, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker. À, à mettre un commentaire ou bien à partager par les réseaux, réseaux sociaux. Uh, vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne, on fait des webinaires toutes les semaines. Donc, si vous êtes intéressé à suivre des webinaires sur d'autres sujets, comme uh, Alexa Ok sur Achat ou bien sur aussi. Uh... Oui, avec, à, par, par rapport à Odoo, Odoo, ce n'est pas juste du MRP, c'est mm -hmm. plusieurs applications. À plusieurs business applications, vous allez pouvoir donc MRP, c'est juste une petite partie tout mmh. Il faut savoir aussi que le MRP, un ben, MRP, vous allez pouvoir lier faire des, in, des, des liaisons automatiques, par exemple, ben, avec vos achats, comme je vous ai expliqué, mmh. avec votre inventaire, avec les mouvements de stock qui mmh. vont se faire automatiquement, euh, avec la facture. Donc, ici, on a fait des fabrications, manu des ordres de fabrication manuels. Mmh. Maintenant, mmh. si vous utilisez le module vente euh, et facturation, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ben. Lors de la confirmation d'une vente de la moto, mmh. ben, directement vous avez la fabrication qui va se créer. Donc lors de fabrication pardon de la moto qui va se créer derrière. Okay. Et ça et même chose que ce soit pour les achats, que ce soit euh, euh, pour tous les modules, les ressources humaines, etc. Vous avez vraiment une interaction et ça c'est vraiment la grosse force d'Odo. C'est pas juste d'avoir le MRP, mm. mais c'est aussi d'avoir cette interaction et cette facilité de mouvement et d'utilisation sans devoir euh, changer les appels, changer, et faire euh, des millions de développements pour avoir une interaction entre différents, modu <laughs> différents modules. Ça va ok, super. Euh, bon, je pense euh, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation et merci encore à Alex à pour plaisir. présenter. On a eu des, euh, on a eu une belle commentaire. Merci pour cette belle présentation. Donc, euh... Merci Barack. Alors, euh, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et euh, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.